Oui, mon inscription aujourd'hui, c'est surtout pour marquer, parce qu'il y a le passage dans la BA 103, donc c'est quand même un événement. Pour une fois qu'on a l'occasion de passer dans la BA 103, on ne va pas la rater. Bon, c'est vrai que les conditions atmosphériques ne sont pas de rigueur, mais bon, quand on aime, on ne compte pas, donc on est parti pour 103 km. Et puis bon, on prendra le temps qu'il faudra, et bon, le tout c'est de se faire plaisir, malgré ce temps pluvieux, et bon, c'est vrai que c'est toujours bien organisé à Neuville-Saint-Rémy. Oui, bonjour, donc je me présente Régis, Rouennais, j'habite Bantigny, je fais partie de la cyclo de Neuville-Saint-Rémy, et pour moi aujourd'hui, c'est une grande première de faire donc la base qui ferme cette année. Malheureusement, le temps n'y s'y prête pas, mais bon, je pense qu'avec tous les concurrents, on va se donner plaisir à faire une bonne tournée. Et puis, en tout cas, bon courage à tout le monde et puis bonne virée. Eh bien, amis cyclotouristes, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour cette fameuse randonnée C'est mon Cambrésis. Malheureusement, le temps n'est pas de la partie, mais nous sommes très confiants. L'organisation a été bouclée en pratiquement un mois et demi. Le circuit se décline en trois parcours, un parcours de 23 km, un parcours de 68 km et un parcours de 103 km. Tout au long de ces parcours, il y a des zones de ravitaillement organisées et mises en place par le CCN. Oui, ça s'est très bien passé. Pour le contrôle, oui. Et puis là, dans la base, on a eu toute la route pour nous. Impeccable, pas de voiture, rien. On peut rouler à 10 de face. Il faut savoir que les trois circuits transitent par la base, sur lequel a été tracé un circuit de 6 900 km et qui a bien sûr pour particularité la remontée de la grande piste principale qui mesure 2 300 km. Et je peux vous dire, l'ayant fait vendredi, avec le vent dans le nez, ce n'est pas évident. Eh bien, amis cyclotouristes, nous espérons que vous serez très satisfaits de cette randonnée C'est mon Cambrésis et que vous aurez en mémoire, sachant qu'en plus de cela, nous avons mis gracieusement pour l'ensemble des participants, un t-shirt avec une tombola pour lequel le premier prix est un VTT. Et derrière, il y a environ 70 lots qui déclineront du jeu de cale pour les chaussures, de la pompe, enfin tous les articles nécessaires pour un cyclotouriste confirmé. Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère que vous passerez une agréable journée. Encore merci. Au revoir. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette. Super.
Très bonne sortie pour ce troisième Tour du Cambrésis. Prix même qui a eu tant de monde malgré la pluie. Oui, bonjour, c'est Jean-Claude Dumont. Ben voilà, j'ai voulu participer à la randonnée de la base pour la dernière fois. Disons, nous avons roulé sur la base. C'était agréable, à part le temps un peu frais. Mais pour nous, on n'a pas eu de pluie, donc c'était super. Par contre, la base, c'est dommage, parce qu'il y avait beaucoup à faire là-bas et malheureusement, tout est à l'abandon. Enfin, ça s'est bien passé. Je pense que les gens ont été satisfaits. Voilà, merci. Eh bien, bonjour. En tout cas, c'était une belle journée. On a été un peu épargné par la pluie, sauf ce matin. Les plus courageux qui faisaient les 103 km, ils ont dû en baver quand même. Mais c'était vraiment très sympathique de voir tout ce monde sur la base aérienne remonter la piste. Hein, on a pu voir l'espace. C'est 350 hectares la base aérienne qu'on va hélas fermer bientôt. Mais c'est, je crois que c'était un moment extrêmement sympathique, extrêmement convivial. Et on avait des jeunes, on avait des moins jeunes. C'était super. C'était vraiment extraordinaire. Une belle journée, une belle matinée. En tout cas, c'était une belle initiative. Merci à tous les organisateurs, au cycloclub de Cambrai, du Cambrésis, à tous ceux qui sont venus ce matin sur la base aérienne. Merci. Bonjour, ici le maire de Neuville-Saint-Rémy. C'est avec plaisir que nous avons accueilli cette année C'est mon Cambrésis. Malgré les conditions atmosphériques un peu déplorables, nous avons quand même enregistré 590 participants, ce qui est bien et nous sommes très satisfaits. Et nous sommes encore plus satisfaits parce que nous avons pu rouler sur la base et que nous avons eu la présence du colonel Germay qui nous a ouvert gentiment sa base avant cette fermeture qui est quand même un problème pour la région Cambrésis. Les avions vont nous manquer, même s'il faisait un peu de bruit, c'était bien agréable de les entendre. Donc, bonne journée quand même pour Neuville-Saint-Rémy et nous sommes fiers de cette journée. Merci. Merci pour votre participation, mais je ne voudrais pas commencer cette petite cérémonie sans vous demander un petit instant de concentration. Vous savez que malheureusement, notre ami Germain Santerre, qui aurait aimé être présent aujourd'hui avec nous, lui qui était un mordu du vélo, je l'ai côtoyé une fois dans l'association du Tour de France et autres. Votre diplôme, comme quoi vous avez couru sur la base. Votre base, et c'est que la médaille de la ville de Neuville-Saint-Rémy est être remise. Il s'agit d'un aviateur de toute façon. Et merci encore pour tout ce que vous avez fait pour nous avec cette base. Dommage que vous nous quittiez. Le nom Thierry. Le premier qui arrive.